TechnoPro Oxtech. Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec la brosse à air chaud HT80 de Beurer. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Séchez-vous les cheveux à l'aide d'une serviette et brossez-les. Branchez la prise de la brosse à air chaud. Choisissez la brosse thermique pour vous lisser les cheveux. Sélectionnez le niveau de ventilation et de chauffe. Niveau 1, ventilation douce, température moyenne pour les cheveux fins. Niveau 2, ventilation forte, température élevée pour les cheveux épais. Prenez une mèche de cheveux à la racine. Faites glisser la brosse thermique jusqu'à la pointe, plusieurs fois, jusqu'à ce que le cheveu soit lisse. Pour des cheveux dynamiques et volumineux, placez la brosse thermique à la pointe des cheveux. Appuyez sur la touche de rotation pour enrouler les cheveux vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Fixez la coiffure après environ 20 secondes à l'aide de la position air froid. À l'aide des touches de rotation, déroulez entièrement la mèche. Pour des cheveux bouclés ou ondulés, utilisez la brosse bouclante. Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche de verrouillage au niveau de l'embout de brosse. Retirez l'embout. Placez ensuite l'embout de brosse souhaité sur la brosse à air chaud. Tournez-le vers la droite et la gauche avec précaution jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible. Enroulez entièrement une mèche en commençant par la pointe des cheveux. Fixez vos cheveux après environ 20 secondes à l'aide de la position air froid. Déroulez ensuite complètement la mèche de cheveux. Après utilisation, mettez l'appareil hors tension. Débranchez-le et laissez-le sur une surface lisse et résistante à la chaleur. Nous espérons que cette brosse à air chaud HT80 de Beurer vous apportera entière satisfaction.